Hier soir, lundi 30 est un juillet, Tagui recevait de nouveau Étienne. Venu remettre son titre de champion au jeu. Le candidat enchaîne les victoires et cumule actuellement 14 pour une cagnotte de 132 000 euros. Les téléspectateurs le voient à l'heure l'un d'entre eux déclarer même sur Twitter pour le première fois depuis Louis et Charlotte. J'ai ce sentiment avec Étienne que l'heure qu'il serait battu serait tout le très longtemps. Alors que le maestro évoquait son métier hier, Nagui en a profité pour passer un message concernant le dérèglement climatique. C'est vraiment très dangereux pour cette planète et comme le dit un jour Hubert Giveux, planète s'en sortirait toujours que c'est l'humanité qui ne s'en sortirait pas. Chacun dans notre couche faisons attention et veillons au ciel. Ce n'est pas la première fois que Nagui fait le choix de s'exprimer sur des sujets qui peuvent être jugés sensibles par certains. En effet, en mai dernier, il a porté par exemple son soutien à Rocher, harcelé sur les réseaux sociaux. Je profite pour faire un énorme bisou à Rocher lui disant qu'il y a énormément de gens qu'il respecte, qu'il admire et qu'il aime. Il faut qu'elle oublie ces idiots qui l'insultent et l'agressent simplement parce qu'ils ne sont pas heureux. Tout simplement déclarait-il sur France 2.